dans le sud de l'île, existe un endroit où règne le silence. Ici, au foyer de charité, certains Réunionnais choisissent d'effectuer une retraite silencieuse. Rémi a 30 ans, il fait partie des 18 retraitants de la semaine, une première pour lui. Dans le jardin paisible, face à la Vierge Marie, l'endroit est propice à l'introspection et à la reconnexion avec sa foi. Cette retraite s'inscrit dans le cadre de ma recherche personnelle, on va dire, dans ma recherche intérieure, spirituelle, la recherche du Christ. On est dans un cadre où c'est assez reposant, où ça nous permet de souffler, de nous couper du quotidien, de prendre un peu plus de recul et de se plonger réellement à l'intérieur de soi. C'est une manière de se ressourcer, de respirer à nouveau, respirer un air pur, un air nouveau qui nous permet de repartir dans la course suite à ça. Le retentissement de la cloche vient rompre le silence pour indiquer aux retraitants la fin du temps de prière personnelle et le début d'un atelier. Sans un mot, il se dirige vers la salle de conférence pour recevoir un enseignement dispensé par le père Henri Canden. Et cette retraite, il la consacre à la Genèse. Dieu insuffla son souffle de vie dans l'homme. Et lorsqu'il insuffle ce souffle de vie dans l'homme, l'homme devient vraiment cet être vivant. C'est ce que nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas, au cours de cette retraite. Si vous avez décidé de vivre cette retraite, c'est s'arrêter, faire cette halte, cette pause dans mon cœur, dans ma tête, dans mon corps, dans une attention bienveillante, retrouver un peu cette force intérieure. Un enseignement, c'est aider les personnes à d'abord actualiser la parole de Dieu dans leur vie en les aidant à prendre conscience comment cette parole rejoint leur propre vie, dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils sont aujourd'hui. Le Christ lui-même dit « Je suis venu ranimer un feu ». Un feu, on peut l'interpréter, un souffle sur cette terre. Pour le père Henri Canden, ces retraites sont aussi l'occasion de reprendre des forces spirituellement. Je sens que beaucoup de personnes qui viennent pour une retraite, ils ne sont pas tous des personnes en difficulté, ils ne sont pas tous des personnes malades, ils ne sont pas tous des personnes qui ont des gros soucis. Mais ce que ces personnes viennent rechercher, c'est ce souffle nouveau. Après 1h15 d'enseignement, reprend le temps de la prière personnelle. En plus des jardins, les retraitants peuvent rester dans la chapelle. Marie-Hélène a 65 ans, mère de famille, elle n'en est pas à sa première retraite. J'ai choisi cette retraite silencieuse parce que depuis quelque temps, j'étais pas très bien, fatiguée, épuisée, posant beaucoup de questions sur le sens de ma vie, de ce que j'avais à faire et tout. C'est vraiment un lieu où, à ce moment-là, reprendre son souffle parce que ça... On peut déposer tout ça, tout ce qui bloque, tout contre notre respiration. Ça vide tout ce qui nous encombre, tout ce qui, sans s'en rendre compte, ça encombre aussi nos poumons, tout compte fait. Comme c'est un lieu spirituel, c'est ce souffle de la vie qu'on va retrouver avec le Seigneur. La cloche retentit à nouveau. Cette fois, les retraitants sont appelés à participer à un atelier d'activité manuelle organisé par la communauté du foyer de charité. Jérôme est l'un des animateurs. Il est là pour montrer que créer avec ses mains est aussi reposant. Donc avec l'argile, essayez de modeler quelque chose qui représente ce que vous aimeriez être plus tard. Ça peut être une fleur, ça peut être un cœur, ça peut être, un oiseau, une coupe. Voilà, donc un symbole qui vous tient à cœur et qui représente un peu ce que vous vivez en ce moment et ce que vous aimeriez vivre plus tard. On déconnecte complètement, on prend ce temps. Et on se pose, on respire et on manipule l'argile. Et en manipulant l'argile, on va dire qu'il y a quand même... ça travaille intérieurement. Parce que des travaux manuels très simples comme ça, ça permet aussi une certaine méditation, en fin de compte. Moi, j'aime beaucoup parce que ça... Déjà, on rejoue avec la terre. Et c'est un truc que, quand on était petit, on faisait souvent, en fait. On jouait dans la terre. Et c'est génial parce qu'on se pose
et on fait des choses qu'on n'a vraiment plus l'habitude de faire, quoi. La parole dit qu'on a été façonné à partir de la glaise. Et retrouver souffle, c'est aussi retrouver notre propre identité. Notre propre identité, ben, c'est que nous sommes des créatures qui venons de Dieu, non pas d'un hasard. Je voulais faire un arbre avec, qui était tortueux, c'est-à-dire qui respirait à son propre rythme, qui avait son propre rythme et qui avait son propre souffle, en fait. Les sessions de retraite peuvent durer de 1 à 6 jours. Il y en a une tous les mois. Chacun a ses propres motivations pour y participer, mais tous nous ont confié que ces retraites leur ont permis de souffler et de repartir revigorés.